Salut à toi, passionné de vieilles Volkswagen, je te présente Georgette, une coccinelle de 1961. Georgette est toujours équipée de son train avant à pivot d'origine, avec juste deux fusées décalées qui lui font perdre 1 cm de vin de chaque côté. Mais comme vous pouvez le remarquer, la hauteur entre le pneu et l'aile est très haute. Et ce qu'on veut, c'est lui donner un look racé, du coup, on va lui monter un train avant French Slammer. Allez, c'est parti! De la vidéo, l'espace entre le pneu et l'aile, et ben là il n'y en a plus. Maintenant on l'a bien rabaissé, ça fait bien plaisir, c'est bien joli, mais maintenant je voudrais bien aller l'essayer. Hey, William il est parti en mode rallye là, il est en train de nous arracher le bitume avec. Merci de plancher avec un mal de frein. Je t'ai pas prévenu, c'est des freins à tambour sur la voiture là. Ah bon, elle avait pas mis les freins à 10, 3 pistons. J'en prends on encore. Français aux 3 pistons, on va en prendre quoi. Bah, ça freine bec, bonne parole. Par contre, faut pas rouler dans les Vosges avec. Pourquoi ? Dans les Vosges, la route elle s'arrête. C'est fini. Il y a que des. Il y a que des bosses partout. Alors en Meuse, on n'en parle pas. En Meuse, depuis la guerre, ils ont pas refait la route. On peut pas y aller. Alors William, ton avis sur tes impressions de conduite, on va dire. Bah plutôt bonne. C'est... On sent la route au niveau du volant, mais c'est pas gênant. Un petit effet karting, non? Ouais, beaucoup. C'est vraiment un vrai petit jouet. Mais ouais, la direction répond vraiment super bien. C'est... Le volant est un peu plus dur. Bon. Alors ça, c'est peut-être dû à la nouvelle boîte, au nouveau boîtier de direction qu'on a mis. RW. Bon, autrement, c'est vraiment un plaisir à conduire. On sent vraiment toute la route. On sent qu'on est vraiment, mais on fait qu'un avec la route. Alors ça, c'était trop profond. Non. Par contre, dans les routes de montagne, ça doit. Ça fait les bras. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec le train avant, c'est le boîtier de direction. C'est dur. Quoique, peut-être que le train avant, il est aussi est peut-être pour quelque chose. Peut-être. Je pense que le fait qu'il soit raccourci, c'est pas. Après, on a vraiment l'impression qu'on est. On tourne un peu, on a l'impression qu'on est au bout de la direction, mais non, c'est juste plus dur. Moi je la trouve super agréable à conduire. Non, elle est vachement agréable. Après,
fait, c'est pas une récente, c'est une ancienne. Obligatoirement, la direction, la première direction assistée, elle va tout confort. Sympa à conduire, franchement. Après moins de rayons de braquage, normal. Un peu plus de sensations au niveau de la route, des imperfections. Mais j'aime bien. Assez sympa. En plus, on est dans un kart. Un peu brillant le karting quand même. Hein. C'est un peu plus raide aussi. N'hésitez pas à liker la page, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous avez vous aussi rabaissé votre caisse pour nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez un fan flammeur aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'est aussi sympa. Et surtout, abonnez-vous!